Team Shape, j'espère que vous allez bien, c'est Thibaut InShape et c'est un plaisir de vous entraîner aujourd'hui. Et aujourd'hui c'est parti pour un entraînement cuisse, abdos, fessiers à faire à la maison sans matériel en seulement 10 minutes. Pas d'excuses. Vous êtes prêts? C'est parti. On est motivé, on est en forme. Premier exercice, on va faire des fentes montées de genoux, je vous montre. Premier exercice, hop, la fente derrière et on monte le genou devant. Fente derrière et on monte le genou devant. On essaie de fixer un point devant soi pour garder l'équilibre. On change de jambe. Allez, on y va doucement, on prend son temps. Si c'est trop dur, vous faites des fentes comme ça, classique. Comme ça, voilà. Je montre différentes alternatives. On souffle bien en bas et en haut, on change de jambe. Encore. On prend son temps. Hop. Là j'ai failli tomber par exemple. Allez, on poursuit, on a 15 secondes de répétition. Et on va faire les abdos debout. On va travailler les obliques ici. On va mettre les mains derrière la tête. Et on va lever un côté, puis l'autre. C'est les abdos qui travaillent. On souffle à chaque fois. Encore, super. Allez, on essaie de garder un petit rythme. Bien sûr, si vous avez besoin de reposer, vous vous reposez quelques secondes et vous repartez. Encore. Super, allez. On souffle bien, on vide l'air. On lâche pas. Super. On récupère, on souffle un petit peu. On boit un petit peu, mais pas trop non plus. Et on va passer au hip thrust. C'est un exo pour travailler les fessiers. On passe au sol. Les mains ici. Et on va lever les fesses, serrer 2 secondes en haut. Et on redescend et on repart de suite. 1, 2. 1, 2, on serre bien les fesses. 1, 2. 1, 2, on serre bien les fesses, on contracte, on relâche doucement. On pense à bien souffler. On redescend, allez. 1, 2, on serre bien et on descend. 1, 2, et on souffle. Là, vous avez travaillé les fessiers, vous avez travaillé aussi vos ischio-jambiers, ce qui est derrière les cuisses. Super, on descend et on remonte. 1, 2, super, allez, 1, 2, 1, 2, super, très très bien, ça se passe très bien pour l'instant, on va faire du squat, position squat, pas de squat sauté, vous m'avez dit que des fois vous pouvez pas faire de saut, donc squat, les mains devant, on descend en position squat, on fait 2 petits rebonds en bas et on remonte, 1, 2, et on remonte. 1, 2, et on remonte. Et on remonte. Allez. 1, 2, et on remonte. Allez. 1, 2, et on remonte. Le dos est droit, les genoux sont vers l'extérieur. 1, 2, et on remonte. Vous pouvez mettre les mains comme ça aussi. 1, 2, et on remonte. Juste évitez de toucher vos mains. Les cuisses, les mains ne se posent pas sur les cuisses. Hein. Allez. 1, 2, et on remonte. Génial, lâchez pas. 1, 2, et on remonte. Allez, croyez en vous. 1, 2, et on remonte. Encore. 1, 2, et on remonte. Super, très très bien. On va passer à la suite. On passe au sol, on va travailler les abdos aussi. Allez, on va cibler les obliques, c'est vraiment les côtés. Donc, on lève les omoplates derrière et on vient toucher ses chaussures, toucher ses pieds de part et d'autre. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Super. On pense à bien souffler. Les omoplates sont levées derrière. Vos épaules ne touchent pas le sol. Et on vient vraiment sentir le côté de tes abdos travailler. Voilà, on va chercher loin. On fait l'effort. Encore.
L'autre côté. Allez. Super. On relâche. On souffle un petit coup. Allez. On va travailler maintenant les fessiers Donkey Kicks, une jambe après l'autre. On se met comme ça à quatre pattes. Et on vient envoyer la jambe derrière. 1, 2, et on repart devant. 1, 2, et on repart devant. 1, 2, et on repart devant. On serre bien les fesses en haut. Et on repart devant. On change de jambe. 1, 2, et on repart devant. 1, 2, et on repart devant. On pense à bien contracter les fesses en haut là. 1, 2, et on repart devant. 1, 2, et on repart devant. On change de jambe. 1, 2, on repart devant. 1, 2, et on repart devant. 1, 2, et on repart devant. On change de jambe. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Génial. Super, c'est un super exo celui-là. Allez, prochain exercice qu'on va faire. On va faire des petits sauts, mais des très légers sauts. Si vous ne pouvez pas le faire, vous faites des squats classiques. On se met comme ça, en position squat, et on fait intérieur, extérieur. Position squat, je vous montre de côté. Allez, on souffle bien, le dos est droit. Extérieur, intérieur, extérieur, intérieur. C'est trop dur, vous faites comme ça. Comme ça, de part et d'autre, comme ça, il n'y a pas de saut. Allez, on souffle bien. Super, allez. On lâche pas, on travaille les fessiers, on travaille les jambes. Génial. Allez, pour l'été, on se prépare pour l'été. Super, très très bien. On récupère, on souffle un petit peu. Et on va travailler les abdos. Avec le Flutter Kicks. Je vous montre, vous mettez au sol les mains là. Et ben on va le faire ensemble. Vous pouvez mettre les... comme ça et comme ça. On essaie de garder les jambes tendues. Les mains peuvent être sous les fesses. Et on envoie. Là, vous allez travailler vos abdos. Allez, on tient bon. On pense à bien souffler. Génial. Allez, lâchez pas. On garde le cap. Encore, 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 encore. Très, très bien. C'est très bien. Je suis fier de vous. Allez. On va jusqu'au bout. Si, bien sûr, après, vous voulez faire une séance plus longue, il suffit de faire la vidéo deux fois. Voilà. Vous revenez du début à la fin de l'entraînement si vous avez encore de l'énergie et vous faites la vidéo deux fois. Ok. Travail fessier, quatre pattes. Et là, on vient envoyer la jambe sur le côté. Allez, 3, 4, on prend son temps, 5, on change de côté, 1, 2, 3, 4, 5, l'autre côté, allez, on travaille les fesses, 1, 2, 3, 4, 5, l'autre côté, 1, 2, 3, 4, 5, l'autre côté, 1, 2, 3, l'autre côté, 1, 2, 3, super, on relâche, je sais pas vous mais je sens déjà mes fesses, allez, on va faire un dernier exercice et on aura fini le circuit 10 minutes, fente devant, on va alterner les fentes, on se met comme ça, on descend et on revient. Vous pouvez mettre les mains aussi comme ça devant vous. On essaie que dès que le genou est touché au sol, hop, on repart direct. Super. On souffle bien. C'est très très bien ce que vous faites. Allez, lâchez pas. Encore, encore, encore. Allez. Super. On continue. On tient le bon bout. Allez, vous serez fiers de vous à la fin. Thank you.
Bravo! Maintenant, si vous voulez commander mes vêtements pour faire du sport Team Shape, le lien est dans la description. Il y a des t-shirts, des leggings, des brassières, il y a tout ce qu'il faut pour faire du sport. Abonnez-vous aussi à ma chaîne YouTube en cliquant sur ma tête juste ici. Nouvelle vidéo entraînement tous les jours. Si vous avez encore de l'énergie, regardez une autre vidéo sport en cliquant ici. Et n'oubliez pas que vous êtes les meilleurs. Bam!